Bonjour à tous dans cette nouvelle édition de Digital News où l'innovation et la technologie prennent vie avec un zeste de perspicacité et une pincée d'humour. Plongeons dans le tourbillon technologique de cette semaine marqué par des rebondissements, des promesses d'avenir et des défis écologiques. On commence avec Elon Musk et sa critique d'OpenAI. L'air semble chargé d'électricité, et pas seulement autour de Tesla, alors qu'Elon Musk lance des éclairs en direction d'OpenAI. Sa critique vise la transformation de l'organisation en une entité lucrative, notamment après son partenariat avec Microsoft. Est-ce une manœuvre pour défendre les idéaux de l'IA ou simplement une querelle de titans tech? Peut-être que Musk cherche à secouer le monde de l'IA avec son propre projet XAI et le chatbot Grok, signalant une ère de compétition et d'innovation. Ironiquement, cela pourrait être le coup de pouce nécessaire pour accélérer le progrès dans le domaine. Le pacte éthique entre géants. Dans un tournant plus positif, les géants de la tech, incluant OpenAI, Meta et Google, ont décidé de tenir la barre haute en s'engageant à développer l'IA de façon éthique. Ce manifeste pourrait-il être le phare guidant l'IA vers des eaux plus saines? L'avenir nous le dira, mais l'initiative est louable. Parlons d'IA et d'environnement. L'empreinte écologique de l'IA générative nous rappelle que toute médaille a son revers. Avec une consommation d'eau en hausse, les défis de réduire l'impact environnemental de l'IA est plus pressant que jamais. Un rappel opportun que l'innovation doit aller de pair avec la responsabilité. Jensen Huang de NVIDIA nous promet une IA à la hauteur de l'intelligence humaine dans 5 ans. C'est audacieux, mais si quelqu'un peut transformer cette vision en réalité, c'est bien l'équipe derrière les puces qui alimente ces avancées. Le compte à rebours est donc lancé. Claude 3 surpasserait ou surpasse GPT-4. Anthropic nous présente Claude 3, une IA qui prétend surpasser GPT-4. Ce saut technologique pourrait bien redéfinir nos attentes en matière d'intelligence artificielle. C'est comme un peu passer de la 2D à la 3D dans le monde de l'IA. X entre dans la sphère des appels. Elon Musk pimente le jeu sur X avec des fonctionnalités d'appel vidéo et audio soulevant des questions sur la confidentialité. C'est un peu comme ouvrir la boîte de Pandore, mais avec des emojis. Apple et la révolution de l'intelligence artificielle. Apple, fidèle à sa réputation, nous tease sur d'énormes avancées en intelligence artificielle pour 2024. Tim Cook garde les détails sous le coude, mais si l'histoire nous a appris quelque chose avec Apple, c'est que quand Apple promet, Apple livre. Starlink et SpaceX. Avec l'ambition de transformer l'accès à Internet via Starlink, SpaceX pourrait bien redéfinir la connectivité globale. Dire adieu aux zones sans couverture, c'est un rêve qui devient potentiellement réalité. Et oui, un téléphone Tesla sans électricité. Elon Musk frappe encore un gros coup avec le téléphone Tesla qui fonctionnerait sans électricité. C'est soit de la magie, soit du génie, mais dans tous les cas, c'est du pur Musk. ASTR révolutionne la chirurgie oncologique. L'université Johns Hopkins nous offre un aperçu de l'avenir avec ASTR, un robot chirurgical qui promet de changer le jeu dans la lutte contre le cancer. C'est une étape de géant vers des traitements moins invasifs
invasif, excusez-moi, et plus précis. Pour conclure cette semaine riche en émotions et innovations, on peut dire que l'industrie de la tech ne dort jamais. Entre les critiques, les promesses d'un avenir éthique, les défis écologiques et les avancées qui semblent tout droit sortir d'un film de science-fiction, on reste accroché à notre siège, prêt pour la suite. Restez branchés pour plus d'actualités et n'oubliez pas, dans le monde de la tech, demain est déjà hier. À la semaine prochaine, merci.